だからこうなってるね。だからね、お城は東西じゃ同じようだけど、うちはこれも違うのね。ちょうど正面の千鳥ハート、下のちっちゃいちっちゃい千鳥ハート、あの屋根。On va avoir le harakiri. Donc ici, nous sommes à l'endroit où les samouraïs se faisaient le seppuku ou le harakiri, selon s'ils étaient bons ou mauvais. Alors, si vous voulez que je vous explique, lorsque le samouraï avait un problème d'honneur à régler, il se faisait seppuku. C'était le shogun ou le daimyo qui pouvait lui demander de le faire. Et lorsque c'était un mauvais samouraï, il faisait le harakiri. Le harakiri faisant très mal. On lui donnait un couteau mal aiguisé pour que ça lui fasse très très mal. Donc ici, on voit la pièce où se tenaient les officiels pour regarder la cérémonie. Et puis juste devant, je pense que c'est là où la pierre est posée, le samouraï se faisait ouvrir le ventre, plutôt s'ouvrir le ventre. Il se faisait couper la tête par un de ses meilleurs amis, par quelqu'un en tout cas à qui il donnait un grand honneur, pour lui donner la possibilité d'aller au paradis. Dans le harakiri, on attendait le plus tard possible pour couper la tête, pour que l'âme sorte par le ventre. Et dans le seppuku, on coupait la tête le plus rapidement possible, à la fois pour que l'homme d'honneur ne souffre pas trop, et surtout pour que son âme sorte par le haut pour aller au paradis. Je ne sais pas si ces gens-là se rendent compte qu'ils sont à un endroit où plein de gens sont morts, dans une certaine souffrance. Personnellement, j'ai pas envie de m'être ici. Il y a toutes ces âmes torturées qui sont certainement encore en train de hanter ce lieu. D'émotion, surtout l'endroit pour le suicide, c'est terrible. Bon, on a quasiment fini la visite, on va bientôt rentrer sur Kyoto. Tout à l'heure, nous étions tout en haut. Voilà, nous avons regardé le paysage de cette fenêtre. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Donc on va bientôt retourner à Kyoto, cette fois-ci pour de bon. Et ça va faire un beau souvenir, cette jolie visite. Grand moment d'émotion, vraiment super.